Et nous revenons sur la plage de l'Agréou. Pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous avant, nous avons vu les demi-finales des catégories Surf Cadet et Surf Ending Cadet. Nous sommes sur la troisième journée des championnats Nouvelle-Aquitaine 2023. Depuis 3 jours, nous sommes sur cette plage, ici même à Seignosse. Et aujourd'hui, c'est les jeunes entre 15 et 16 ans qui sont mis à l'honneur sur la vague short, sur la discipline du shortboard, excusez-moi. C'est la finale qui vient d'être lancée, la finale des filles, avec en rouge Clara Irigoyen, la jeune Hendayaise, en jaune Clémence Schorsch, la jeune Landaise de Vieux-Boucau, en blanc Isea Houillet, qui est ici même à Hossegor, et en bleu Margot Lietz de Seignosse. C'est parti pour 20 minutes. Les surfeuses vont être départagées sur leurs deux meilleures vagues. Et elles vont toutes les quatre essayer d'obtenir les meilleurs scores entre 0 et 10 points pour monter sur la plus haute marche du podium et récupérer ce fameux titre de champion Nouvelle-Aquitaine. Et ça part d'entrée avec Clémence Schorsch qui attend un petit peu, qui va chercher un premier roller form claim. Ah non, excusez-moi, ce n'est pas Clémence, c'est Isea Houillet en blanc, lycra blanc. Je suis désolé. Je n'avais pas reconnu la jeune surfeuse pensionnaire de l'Hossegor Surf Club. Et derrière, la réponse en bleu de Margot Lietz. Nous avons quatre surfeuses goofy, c'est-à-dire qu'elles ont le pied droit devant. Et voilà Margot avec un re-entry qui malheureusement n'est pas complété. Comme Isea, ça ne sera pas une vague avec beaucoup de potentiel et des points très très hauts. Alors que là, vous voyez les juges avec les systèmes de priorité, numéro 1, 2, 3, 4, le panneau vert qui indique que la série est partie. La tente bleue Intersport, partenaire de la Ligue de Surf Nouvelle-Aquitaine, sous laquelle sont les juges. Mais c'est aussi tout le site de compétition que vous voyez avec cette magnifique vue de drone. Alors qu'on voit la dune et la belle forêt landaise de Seignosse derrière, nous avons énormément de chance d'avoir eu les autorisations octroyées par la commune de Seignosse pour organiser ces championnats ici même, sur ce magnifique spot de l'Agréou. Alors que là, en rouge, c'est l'Hendayaise Clara Irigoyen avec un cutback qui malheureusement n'a pas été terminé. Et vous voyez Margot Lietz qui a obtenu 2,17, qui prend donc la deuxième place pour le moment de cette finale. Regardez, Clara Irigoyen qui va chercher d'abord un tout petit turn et ensuite un appui un peu plus long pour faire un roundhouse cutback. Malheureusement, quand elle rebondit dans la mousse, elle n'a pas réussi à repartir. Et ça repart peut-être, non, ça c'était la première vague d'Isea Houillet qui avait été notée 3,17 avec un roller foam claim, une prise de vitesse pour essayer d'aller faire un re-entry et elle chute sur ce re-entry. Et là, c'était la vague de jeune Margot Lietz en lycra bleu qui avait eu un léger petit déséquilibre mais qui avait réussi à se rattraper, qui avait réussi à reprendre de la vitesse sur cette droite alors qu'elle évoluait de dos pour aller faire ce re-entry backside. Mais malheureusement, elle n'a pas pu finaliser et compléter sa manœuvre. Première de la rouge, 1,77, pardon, première de la rouge, 1,77, première de la blanche, 3,17, première de la bleue, 2,17, je répète, première de la rouge, 1,77, première de la blanche, 3,17, Et ça repart pour la blanche, qui n'attend pas, qui tente un carve de replacement, qui malheureusement accroche dans son carve et tombe. Et là, vous voyez Clara Irigoyen en rouge, qui a réussi à rattraper la vague avec un re-entry. Là, la manœuvre est complétée pour Clara, qui avait obtenu 1,77 sur sa vague précédente.
Il reste 15 minutes, la dernière vague 2, la rouge 4,83. J'ai la chance d'accueillir avec moi le directeur de compétition de ces championnats Nouvelle-Aquitaine 2023, le technicien de la Ligue de Surf Nouvelle-Aquitaine et du comité départemental 17, Charente-Maritime, Damien Favot. Bonjour Damien. Bon alors, cette compétition depuis 3 jours, comment se passe-t-elle ? Eh bien, je suis assez content de cette compétition. On a eu des vagues sur l'ensemble des premières journées. Ce matin, c'était un petit peu dur par rapport aux conditions. On a pris quand même de la pluie. On avait quelques inquiétudes là cet après-midi sur un front qu'on avait vu. Finalement, on est passé à côté. Donc non, je suis assez content. Il y a du beau surf. Le banc de sable, le choix du banc de sable était plutôt bon aussi. Il est consistant. On a des vagues sur l'ensemble des marées avec des options qui changent. Mais voilà, il y en a pour tout le monde. Donc non, je suis très ravi. Et c'est intéressant d'avoir ces options qui changent justement, ça montre toute la technique de chaque surfeur, si ça avait évolué dos à la vague, face à la vague. Et là justement, on voit dos à la vague la petite Clémence Schorsch qui nous présente du très beau surf depuis le début de la compète. Ouais, elle est consistante, elle pousse bien ses manœuvres. Hier, elle a gagné en body surf. Donc, dans les dernières minutes où elle allait chercher deux vagues à 6 points qu'elle. Tout à fait, ouais. Ouais. Non, c'est bien de voir ces jeunes-là qui surfent. C'est pas évident hein, en plus, hein, même si on est sur des catégories cadets, il y a quand même pas mal de courant là sur ce banc de sable. Ça demande parfois de repasser par le bord, de courir, d'aller rechercher la baïne au nord pour pouvoir passer rapidement. Donc c'est assez physique. Moi, j'ai trouvé la deuxième demi-finale très très intéressante, avec beaucoup de suspense, beaucoup d'allées et venues entre la première, deuxième, troisième et quatrième place. Des compétiteurs qui se sont rendus coup pour coup. Et c'était très très intéressant de les voir évoluer avec du très beau surf, très technique. Là, on voit que Clara Irigoyen vient de prendre quand même la première place avec un 4,83. Elle a fait un joli re-entry sur une vague backside. Et j'attends avec impatience de voir ce que va donner la note de Clémence Schorsch pour savoir un peu comment situer son surf par rapport aux trois autres compétitrices qui ont déjà pris deux vagues chacune. Ouais, j'ai pas la comparaison là avec son 4,83. J'étais encore sur la plage à discuter avec... un des entraîneurs de Royan, du coup, j'avais pas eu l'occasion encore d'aller le saluer. Et oui, il faut dire que là, on a des compétiteurs qui viennent des quatre coins de la Nouvelle-Aquitaine, depuis La Rochelle à Hendaye, tous les clubs quasiment c'est sont ça, représentés. Ouais, de l'île de Ré jusqu'à Hendaye, ouais. 7,50. Donc la comparaison, sans être méchant, va être vite fait et facile à faire. On a une surfeuse en jeune qui a évolué sur la vague avec, comme tu as dit, hein, de l'agressivité, de la tonicité, beaucoup de technique et une manœuvre à la fin qui était vraiment très très bien faite. Le réentrée n'était pas du tout subi, bien au contraire. Elle était frappée, ouais. Et la vague de Clara, elle, y avait une manœuvre qui était beaucoup plus douce. Bien placé, mais pas frappé comme l'avait fait Clémence. Et de suite, on voit que les juges apprécient la qualité des manœuvres. Tout à l'heure, elle avait réussi à prendre plus de 5,90 sur un seul re-entry frontside pour Clémence. Donc, la qualité avant la quantité. Toujours, toujours, toujours. Là, on a eu la blanche, la Isea. Avec quelques manœuvres, mais ouais, c'est quand même plus autour de la trimale, un peu plus à plat. Un peu plus à plat, plus léger dans les appuis. Ouais. On voit Clémence Schorsch avec beaucoup de tonicité sur ses appuis, très dynamique. On va la revoir, regarde bien. Un premier carve pour se replacer. Ouais, beaucoup plus appuyé, ouais. Très très bien fait, vraiment sur le rail et vraiment enchaîné en plus. Ouais, avec un combo là, sur la fin de cette vague. Et on a vu là depuis le début de la compétition que les juges appréciaient énormément les combos, ce lien entre les deux manœuvres. Tout à fait. S'il n'y a pas de cassure, de hachure entre deux manœuvres et qu'il y a vraiment un joli lien avec deux manœuvres bien faites, mais très vite, ils montent dans les bonnes vagues pour bien montrer aux jeunes que c'est exactement ça qu'ils veulent voir dans leur choix, dans leur projet de vague. Et là, ça repart. Ça repart frontside cette fois. Vague avec peu de potentiel, elle travaille pour le moment beaucoup pour essayer de se replacer. Il y a un peu plus d'eau. Elle maintient sa vitesse quand même, ça manque un peu de section critique. Et elle chute. Ça va lui faire un backup, ça va la mettre un peu à l'abri de la deuxième. Il s'est appris 4,33 sur sa dernière vague, elle a repris la deuxième place de cette finale. Ouais, c'est ça, on était sur un surf un peu moyen. Donc là, effectivement, tu es directeur technique, mais tu es aussi juge. Hier, tu as été chef juge pour le bodyboard. Ouais.
aux côtés de Damien Camille, qui lui était chef juge pour le bodysurf. Tout à fait. Vous avez travaillé en binôme sur ces deux disciplines. Ouais, on travaille souvent au niveau national. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, aussi bien au niveau national que même sur le tour européen, qui revient d'ailleurs cette année pour le bodyboard après quelques années d'absence. Ça va faire du bien pour nos bodyboarders français. 3,70 pour Clémence Sorge, effectivement, un petit score, mais ça lui permet d'avoir 11,20 total et de s'installer en tête de cette finale à moins de 10 minutes maintenant de la fin. Et ouais, Isia, elle a besoin de quasiment 7 points. 6,88, 6,38 pour Clara Irigoyen. Et plus de 8 points pour la jeune Margolietz. Mais rien n'est fait, tout est possible. Ces jeunes surfeuses étaient à Lacanau pendant le week-end, pendant les grosses conditions. J'ai discuté ce matin avec notre chef-juge aujourd'hui, Bruno Truche, qui était aussi chef-juge à la Grom Search. Et il me disait qu'il avait été assez impressionné par toutes ces jeunes catégories, Minim, Cadet et Benjamin, pour affronter les conditions qu'il y avait à Lacanau, pas du tout évidentes. Et certains avaient montré de très très belles techniques. Ouais, ça se voyait, j'avais regardé un peu sur l'application Stacked, on voyait que certains avaient des petits scores, voire certains pas du tout. Donc ça nous montrait de loin que les conditions devaient être très difficiles pour ces catégories d'âge. Je pense que le sens marin et le physique avaient dû jouer beaucoup. Avaient dû jouer, ouais. D'où l'importance pour ces jeunes surfeurs d'aller surfer dans toutes les conditions. Vraiment, que ça soit petit, gros, moyen, parfait, tempête. Il faut vraiment qu'ils puissent s'habituer parce que quand ils sont en compète, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas contrôler les vagues. Même si, je suppose qu'en tant que directeur de compétition, tu cherches toujours à avoir les meilleures conditions, trouver le meilleur moment. C'est ce qu'on a fait. On a travaillé en binôme hein, tous les deux pour essayer d'à chaque fois, au vu des conditions qu'on avait, c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs tardé à annoncer un petit peu le planning, on avait des conditions qui changeaient tous les jours, la semaine qui avait précédé cette semaine-là. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a préféré garder les petites catégories pour cette fin de semaine avec une houle qui tombait. On savait qu'on avait un pic un peu de houle aujourd'hui, donc on avait mis les cadets et demain on aura donc les minimes, puis nos benjamins qu'on a invités à la fête. Effectivement, les benjamins normalement n'ont pas de championnat régional, ni championnat départemental, puisqu'ils ne sont pas au championnat de France. Ouais. Mais nous avons souhaité de proposer aux 8 meilleurs de Nouvelle-Aquitaine, chez les filles et chez les garçons, de venir partager ce petit moment de fête ici, sur cette vague de Seignos, et qu'ils puissent bénéficier d'un bel événement. Exactement. Et il y aura également du coup le longboard espoir et le longboard ondine espoir qui clôtureront ces championnats 2023. Dans des petites conditions, c'est encore légèrement tombé par rapport aux prévisions. Ouais. Comme tu as dit, ça n'a pas arrêté d'évoluer. Mais c'est ces fameuses tendances orageuses qui font que ça soit les vagues ou le temps. Ouais, les modèles restent toujours incertains. Et on attend la dernière vague surfée par ICA. Regarde, 6,33. J'allais te le dire, elle a vraiment exécuté une très jolie manœuvre. C'était un beau bottom. Elle allait taper un roller foam climb bien fait avec de la vitesse. C'était vraiment très bien fait de la part d'ICA. Et Clara qui répond, backside. De nouveau, elle travaille pour essayer de rester au plus près du curl et garder de la vitesse et de l'énergie. En simultané, on avait Margot. Et là, malheureusement, elle a perdu de la vitesse pour aller chercher son re-entry et elle chute. Ouais, et la bleue va qui fermait, elle a pas pu aller mettre en place de manœuvre. Alors qu'il y avait vraiment là par contre une belle partie critique, ouais. Mais elle s'est retrouvée un petit peu en bas, elle a perdu sa vitesse, elle n'a pas pu enchaîner comme il fallait. J'espère qu'on va pouvoir revoir la dernière vague de la Blanche, ici à Houlier. Alors qu'on voit Inigo Madina sur la plage. C'est dans 5 minutes, là, dans 30 secondes, pardon, ils vont pouvoir se mettre à l'eau. Ça a surfé fort hein, tout au long de la compétition chez les garçons aussi. Hein. On a eu un 10 points de Jay Phipps. Là. Le 10 points de Jay Phipps, je l'ai encore en tête. Et deux manœuvres backside très très explosives, impressionnant. Et nous allons profiter de cette petite pause pour faire le jeu que nous proposons à nos téléspectateurs. Vous pouvez répondre à cette question en répondant en commentaire sur notre page Facebook, YouTube ou Instagram.
Quel a été le spot des championnats Nouvelle-Aquitaine Surf Espoir 2022? Petit A, plage de la Miladie. Petit B, plage du Grand Croc. À vous de tapoter sur votre téléphone la bonne réponse. Et si vous avez de la chance, vous serez tiré au sort pour gagner un des nombreux lots que nous ont offert nos différents partenaires. Donc, je vous la répète quand même. Quel a été le spot de nos championnats Nouvelle-Aquitaine 2022 pour la catégorie Espoir? Était-ce la plage de la Miladie ou la plage du Grand Croc? Et qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, nous demanderons à Camille, qui sait exactement les lots que nos téléspectateurs vont gagner. Voilà, 4 minutes. Je ne sais pas si Camille nous entend, mais peut-être qu'elle va pouvoir nous répondre. Oui, donc Guillaume, comme tu l'as dit, nous allons faire gagner un petit lot de chez notre partenaire Catchy Closing, un bon d'achat de 50 euros pour les personnes qui seront tirées au sort. Merci beaucoup Camille. De rien. Et c'est grâce à toi que tout cela est fait. Camille est la chargée de communication de la Ligue de Surf Nouvelle-Aquitaine, chargée des partenaires. Et elle travaille d'arrache-pied avec les différents partenaires pour pouvoir faire profiter à tout le monde. Elle a besoin de 4,88 Isea. Ah, malheureusement, pas là-dessus. Elle a chuté en essayant de se replacer sur un petit carve, un petit peu trop tendu sur ses jambes, pas assez fléchi, une prise de rail trop rapide, et de suite c'est la chute. Elle était en total déséquilibre, alors que l'on voit Clémence Georges avec un très joli roller backside dans la partie critique. Encore une bonne manœuvre pour elle. Très bonne manœuvre, ça pourrait être facilement dans les bonnes vagues. Ouais. Un bas 6, peut-être entre 6 et 7. Ouais. Très très intéressant le surf que nous propose Clémence. Ce qu'on a vu à l'image là, pour moi c'est une bonne vague. Elle a encore progressé, elle est partie cet hiver pendant 4 mois en Australie. Ah, je ne le savais pas ça, tu vois. Où elle a profité de ses connaissances de sauvetage, où elle a travaillé sur le sauvetage côtier et sur le surf. Elle est partie avec sa mère. Pendant 4 mois, ça a été totalement accepté par l'établissement, puisqu'elle a la chance d'avoir son frère jumeau dans la même classe qui lui envoyait les devoirs en continu. Et apparemment, ça a été bénéfique d'aller faire ce trip là-bas. On a de plus en plus de Français qui prennent cette option hivernale. Il me semble qu'il y avait Justin Bécré qui était... Et on voit... Le drone qui est allé chercher au plus près une image avec Clémence Schorsch. Je disais, il y avait Justin Bécré aussi qui était cet hiver là-bas pour s'entraîner. Mais il s'entraînait puisque normalement il était qualifié pour les Challenger Series et qu'il avait des étapes là-bas en tout début de saison. Ouais, il y avait le balito là. Je ne sais pas où ils en sont d'ailleurs. Je regarderai ce soir. Je t'avoue que je n'ai pas regardé, je n'ai pas pris le temps, tellement concentré sur la compétition ici. Alors que là, nous avons la réponse de la jeune Isea Houillet, pensionnaire de l'Ossogor Surf Club. Ah voilà, on a la note de Clémence, hein, donc c'était bien ça. Hein. 6,43 sur son turn là. Et on voit un replay de la dernière vague de la rouge avec un premier turn où la planche est bien sortie. Ouais, ça va être sa meilleure vague. Hein. Oui, ça va être sa meilleure vague. C'est là où il y a eu le plus d'engagement. Peut-être un manque d'appui en haut de vague. Elle aurait pu être beaucoup plus en appui pour pouvoir contrôler. Mais elle allège un petit peu. Et ce qui fait que derrière, elle a du mal à pouvoir enchaîner avec un bottom et pouvoir se positionner sur le rentry. C'est dommage parce qu'elle avait vraiment une vague à potentiel. Elle a déjà fait une belle manœuvre avant ça. Et je pense, comme tu dis, qu'elle va sans doute améliorer son 4,83. Ouais, c'est sûr. Et donc, se donner la possibilité à 40 secondes de la fin, peut-être d'aller chercher une dernière vague et de monter sur la plus haute marche du podium. Nous allons voir ça dans quelques instants. Sauf que, effectivement, Clémence, avec son 7,50 et 6,43, a mis la barre assez haute. Et pour le moment, Clara a besoin de 9 points et quelques pour essayer d'être première. On attend son score. Il n'est pas encore apparu. Je pense qu'on peut se rapprocher bonne vague aussi quand même pour Clara. On va être au moins sur des hauts 5. Et là, de nouveau pour Clémence, dos à la vague. Elle enchaîne deux turns avec des carves de replacement. Alors qu'on entend le speaker plage Vincent Lecorneau qui annonce la fin de cette finale.
et que Clara Irigoyen est repartie sur une vague qui donne du potentiel. On dirait qu'elle va pouvoir encore enchaîner des manœuvres. Attention, on va pouvoir aller chercher. Et un re-entry bien exécuté. Attention pour la deuxième place. Hein. On n'a pas encore la note. Je pense qu'on va être proche de 6 points là pour sa vague précédente. Ça va être très très intéressant de voir ce que considèrent les juges. 6-33 tout à l'heure poussé avec le 4-33. Et là, deux dernières vagues qui nous paraissent à nous ses meilleures vagues. Ouais, c'est pour sûr. Clara. Je pense qu'elle va améliorer également son 3-67. Après, voilà, Isea, là, 6-33, 4-33. Ça va être serré hein, pour la deuxième place. Alors, pour ceux qui le veulent, vous pouvez aller télécharger l'application Stacked sur vos smartphones et suivre toutes les compétitions fédérales en direct. Et nous sommes également avec ces championnats de Nouvelle-Aquitaine en direct sur cette application. Et vous pouvez voir toutes les notes de toutes les compétitrices pendant la finale, mais aussi de toutes les séries précédentes depuis le premier tour. Et c'est très intéressant puisqu'on peut obtenir et voir quelques statistiques sur les compétiteurs tout au long, et les compétitrices tout au long de la journée. On n'a pas les scores qui apparaissent à l'écran. Et non, regarde, 4,83, 2 fois 4,83. J'entends le speaker plage qui annonce que c'est Issa Houllier qui a fini deuxième de cette finale. Clara Irigoyen troisième et Margolietz quatrième. Bah, tu vois, j'aurais mis plus. Quelques instants, mais effectivement, mais nous ne sommes pas juges aujourd'hui. Exact. Nous n'avons pas été. Et nous allons pouvoir avoir l'interview de Issa Houllier, deuxième, pour changer un tout petit peu. C'est pas que nous en avons marre de Clémence, mais avoir aussi un peu les sensations et les avis des autres surfeuses. C'est ça, parce que Clémence est déjà passée au micro tout à l'heure. Hier aussi, avec sa victoire au championnat. Donc pour le moment, il y a une légère pause. Dans quelques instants, la compétition va repartir pour les garçons. La finale, dernière série de la journée. Finale catégorie cadet, 15-16 ans, avec de très très bons surfeurs dans cette finale. Jay Phipps, Inigo Madina, Axel Dominguez, Lier Gélédan, Lorsa. Deux jeunes pensionnaires de l'Andaï Bidassoa Surf Club, entraînés par Eric Thermo. Et deux pensionnaires de l'Ossegor Surf Club, entraînés par Thomas Mahalem. Finale basque-hollandaise. Basque-hollandaise. J'ai l'impression de revenir, il y a un peu plus de 20 ans de ça, dans les compétitions fédérales, où les Landais et les Basques se tiraient la bourre pendant très longtemps sur toutes les compétitions nationales. Maintenant, le niveau est bon partout. Ouais. Les Bretons sont excellents, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Réunionnais, les Normands, également Pays de la Loire, mais également PACA. Il y a des bons surfeurs sur toute la côte française. Alors que à peine la série a été enclenchée, et de suite, les surfeurs se sont mis en action. On a une première vague d'Axel où il tombe sur la manœuvre. Là, c'est le bleu Jay Phipps. Qui enchaîne entre une gauche et deux, changement de direction avec une droite. Il en a fait un paquet. Il est très très smart. Il s'est surfé la vague jusqu'au bout. Et je crois qu'on a eu le rouge aussi. Et on a eu Inigo Madina qui a tenté un énorme blowtail. Exact. Et qui est tombé malheureusement. C'est typique d'Inigo qui aime lâcher tout ce qu'il peut dès la première manœuvre, souvent dès la première vague. Mais des fois ça passe. Et malheureusement, d'autres fois ça casse. Mais je ne doute pas qu'avec la technique qu'il a et la confiance qu'il a dans son surf, Inigo est largement capable de se rattraper. En parlant de casse, on a eu un peu chaud cette nuit. Hein. Effectivement, il y a eu un gros coup de vent avec un peu de pluie. Les agents de sécurité nous ont appelés. Et voilà, manœuvre très engagée dans une partie très critique, pas évident. Et malheureusement, ce n'est pas passé. On attend les scores et on va bien voir ce que ça va donner. Et oui, il y a eu... un gros coup de vent sous le grain. Et la sécurité a été obligée de nous appeler en renfort pour venir remettre en place et en état le site. Et voilà, on voit en simultané
Ce que vous voyez, c'est ce que voient les juges, c'est-à-dire un surfeur sur une droite, un surfeur sur une gauche, un qui a voulu frontside, un qui a voulu backside. Et les juges doivent se départager pour regarder au fur et à mesure l'évolution des deux surfeurs et essayer de noter au plus juste les vagues de chacun. C'est ça, on va toujours chercher les moments clés de chacun là sur leur vague. Voilà, 4,83 pour la première vague de Jay Phipps, 1,17 pour celle d'Axel Dominguez et 1,13 pour celle d'Inigo Medina. Vague à la moyenne pour Jay, ça le lance bien dans cette finale. Et la réponse du blanc pour Axel. Il avait fait un premier cutback, un roller foam claim, un petit replacement et là, un re-entry avec beaucoup d'agressivité, de tonicité et du contrôle. Et voilà, Camille avec Isea Houillet, vice-championne Nouvelle-Aquitaine 2023 dans cette catégorie Andine Cadet. Camille, c'est à toi. Ah, petit problème technique, mais ce n'est pas bien grave, ça va pas tarder. On va pouvoir... Voilà, l'Iker, 6.33. 6.33 pour la vague de Lierre Gélédan. Elle a bien fini sa vague. Et on se retrouve, excusez-moi les gars, avec Isea, vice-championne Nouvelle-Aquitaine Espoir 2023. Donc ici à Seignos. Donc Isea, félicitations déjà. Et puis ton ressenti lors de la série. Les vagues, c'était plutôt cool. C'était assez compliqué vu que c'était assez mou, il y a des vagues qui fermaient, il y avait d'autres qui ouvraient plus, mais il y avait des séries qui barraient aussi un petit peu. Mais c'était cool les vagues. Et ton objectif en arrivant aujourd'hui, c'était quoi l'objectif pour la suite de la saison? Mon objectif c'est d'aller en finale pour me qualifier du coup au championnat de France, mais du coup là je suis contente d'avoir fait deuxième. Alors super, c'était un objectif rempli au top et puis... Je te souhaite un bon été, puis de bien surfer, et puis on se retrouve sur des prochaines compétitions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Camille, et on reprend le direct sur cette finale. Et comme tu le disais, Damien, 6.33 pour l'RG des dents, qui a évolué backside en même temps que Inigo Medina, qui a obtenu son 5.50 sur la droite frontside. Et il avait enchaîné trois très belles manœuvres, bien tapées dans le creux, avec un très beau re-entry. Axel, là, sa petite droite, là, elle était un peu petite, un peu molle. Il n'y a pas réellement de section critique, donc on reste sur un 4.40. On va dire que ça le met en jambe pour la suite de la série, mais il va falloir qu'il trouve une vague avec beaucoup plus de potentiel et beaucoup plus de sections. Et on voit que Jay Phipps est allé chercher un 5.70 pendant l'interview. Peut-être qu'on a le ralenti de cette vague, je ne sais pas encore. La régie nous le dira dans l'oreillette. Il reste 15 minutes, rien n'est encore fait. Des vagues aux alentours de la moyenne. Ils sont tous capables d'aller dans l'excellence. Ils sont tous capables d'aller dans l'excellence. Ils nous l'ont prouvé tout au long de la compétition. Et c'est ça qui est intéressant avec ces jeunes surfeurs. On a une génération qui monte là dans ces 15-16 ans, vraiment très intéressante. Et d'ailleurs, on a là-dedans deux athlètes qui ont fait partie de l'équipe de France en 2022 sur les championnats du monde et les championnats d'Europe. Voilà. Premier roller très bien fait sur le rail. Il a su être patient pour aller taper un joli re-entry en faisant passer les dérives. Très propre. On sent chez Jay la glisse de son père, Shaper, Mark Phipps. J'étais surpris là, sur pas mal de vagues qu'il a eues, la relance qu'il arrivait à avoir. Après chaque manœuvre, c'est hyper important. C'est vraiment des observables, ça aussi, chez les juges. Et on voit Jay qui lève les bras et demande des informations au speaker plage. Ouais, il commence à pouvoir entendre là, avec la marée qui est remontée. Et c'est très important parce que ça leur permet après d'établir une stratégie. Exactement. De savoir se poser s'il le faut, d'aller, c'est le jeu, mais d'aller gêner, pas gêner, mais perturber les autres compétiteurs en jouant sur les priorités. Et puis ces riders là, on est quand même encadés, on a la capacité de connaître un peu les scores là, en fonction des prestations qu'ils font sur les vagues et en fonction des scores qu'ils ont besoin d'aller chercher la vague qui a ce potentiel pour aller chercher le score nécessaire. Et là on vient de voir Inigo Medina qui après un flotteur sur une belle section a légèrement accroché son rail et n'a pas pu continuer sur la vague puisqu'il a perdu la vitesse. On l'a vu un peu déçu d'ailleurs, de ne pas pouvoir faire plus. Non, comme tu disais, Jay Phipps a une qualité technique et une puissance aussi impressionnante.
Le 10 points qu'il a eu tout à l'heure, il y avait de la gerbe, de la vitesse, du contrôle, dans des parties très critiques. C'était vraiment très très bien fait et les juges n'ont pas hésité. Non, on n'a pas hésité. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on en parlait juste avant justement de 10 qu'on peut mettre. C'est pas toujours facile, on a des fois du mal à aller les chercher, ces 10 points, ou les sortir. Et... une minute, deux minutes après, on a cette vague qui sort. Et là, justement, personne n'a hésité. Hein, les trois juges, tout de suite, ont posé le 10. C'est pas évident, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est quand il y a une très bonne vague surfée, ne pas hésiter à poser des scores très très hauts dans l'excellence, voire la note maximale, pour expliquer au surfeur que ce qu'il a fait était parfait. Et c'est ce qui était arrivé avec Jay sur le tour 2, la première série du tour 2, sur une très belle droite sur le banc de sable à marée basse. Allez, 12 minutes encore. Ouais, pour l'instant, meilleure vague pour l'IR avec son 6-33. Il a besoin juste d'un 4.21 pour reprendre la tête de cette finale. Il faut qu'il arrive à se poser pour aller choisir de bonnes vagues. Tout à l'heure, dans le tour 2, à la fin, il était bien placé en deuxième place, mais il s'est un peu excité. Il allait chercher 4 vagues à la fin où il n'a pas dépassé les 1.50. C'est un peu ce qu'il fait régulièrement sur les compètes. Des fois, en étant un peu tout fou, il part sur tout et n'importe quoi, des vagues sans aucun potentiel. Et à l'inverse, tout à l'heure, on a eu Théano Chabrier, là, si je ne me trompe pas, au niveau du nom. Oui, tout à fait. Qui avait la capacité aussi de se qualifier. Et puis, il avait une vague dans les 6 points. Et finalement, il a eu une vague dans la série. Il a voulu, à mon avis, trop attendre. Et il lui fallait un score, je crois, dans les 4 points. Alors, c'est bien, le nom, tu ne te trompes pas, c'est Chabrier, mais c'est Keo. Keo Chabrier, licencié au Lacano Surf Club. Keo, licencié au Lacano Surf Club, d'origine tahitienne. Tahitien. Comme beaucoup maintenant, là, on commence à avoir pas mal de Tahitiens qui viennent sur le circuit national, puisque maintenant la Fédération Tahitienne et la Fédération Française collaborent ensemble pour former cette fameuse équipe de France qui devrait aller aux Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, sur les 3 compétiteurs qui sont pour le moment qualifiés aux Jeux Olympiques, il y a 2 Tahitiens en personne de Kaolivast et Vainé Fierro. C'est ça. Et la troisième, c'est Joanne Defay. Leur ticket au Salvador. Ouais, et Joanne Defay, elle, qui a obtenu son ticket par le biais du CT, puisqu'elle est actuellement sur le tour professionnel, seule française sur le tour pro au CT. Là, encore une fois, on a vu évoluer Inigo Madina avec beaucoup de vitesse, de la puissance sur sa première manœuvre. Et malheureusement, comme il sait faire, il a tout lâché sur son re-entry. Re-entry les bacs, ouais. Ah non, non, pour lui, on dit un lay basque. On va attendre cette note pour voir s'il améliore son meilleur score ou s'il améliore son backup. Regardez, voilà, prise de vitesse d'abord. Une première manœuvre très bien faite. Avec du contrôle. Il projette bien là pour passer la section. Il est un peu gêné par la deuxième section, mais il enchaîne avec un petit replacement. Il prend de la vitesse à nouveau et là, il donne tout. Pour essayer de faire passer ses dérives. Mais malheureusement, il n'y arrive pas. Et on le voit, 23, voilà. On le voit là qui fait le tour, j'en parlais tout à l'heure, quand ils vont vraiment trop loin là sur cette droite, ils sont vraiment obligés de repasser par la plage. Ils finissent quasiment hors zone et avec le courant, ils perdraient beaucoup trop de temps et d'énergie. Ça rame peut-être pour l'IRG Les Dents qui n'arrive pas à trouver de vague et en backup, et là en ramant comme ça il perd la priorité face à Jay Phipps, et ça c'est une erreur stratégique qu'il ne faut absolument pas commettre, surtout à moins de 10 minutes de la fin de la finale, parce que lui Jay il va pas s'en priver ou d'aller chercher la meilleure vague ou de le bloquer pour aller prendre la meilleure vague. Donc la seule option. Et la réponse part. D'Axel. Axel ou l'IR? C'est Axel en blanc, ouais, avec les rails, rouges. Sur la couleur. Un premier top turn, speed turn, et il enchaîne avec un joli carve, un petit cutback et un re-entry. C'est une vague correctement surfée, mais pas beaucoup de potentiel, pas de partie critique. Donc ça va le laisser aux alentours de la moyenne, puisque c'est quand même surfé correctement. Mais ça ne pourra pas forcément passer au-dessus de la barre des 6 points. C'est dans la catégorie de bonne vague. Suffisant pour aller déranger le premier. Voilà, une série qui arrive.
Liège et les Dents est bien placé à l'intérieur, sauf que Jay a la priorité sur lui. On va voir ce qui va se passer entre les deux surfeurs. Très intéressant d'avoir ce plan drone vu du haut pour voir un peu la bataille entre les deux. Et c'est Lierre qui part plus à l'intérieur sur une petite vague avec du creux et du potentiel. 4,21 il a besoin. Un premier turn un peu accroché en haut. Et là également, il n'arrive pas à finir. C'est pareil, c'est un garçon un peu tout fou, un peu comme Inigo, qui est capable d'envoyer des grosses manœuvres très puissantes. Mais qui peut aussi parfois perdre un peu ses moyens dans l'eau. Lierre qui rentre au pôle, non ? Lierre Gélédan qui rentre au pôle espoir, effectivement, l'an prochain, à Biarritz. Pôle espoir Nouvelle-Aquitaine, géré par la Ligue de Surf Nouvelle-Aquitaine. Inigo Madina, lui, est au pôle France. Ouais. Géré par la Fédération Française de Surf. Axel Dominguez est au Pôle France externe. C'est une structure créée par la Fédération, entraînée par Thomas Mahalem et Arnaud Darrigade ici sur Segor. Certains jeunes comme Axel, comme Aaron Bacon, mais également Jay Phipps est également dans ce Pôle France externe. Voilà, on a quand même des jeunes qui sont suivis, reconnus pour leur qualité technique et qui rentrent dans ces structures pour être entraînés et avoir peut-être un jour la possibilité de rentrer dans une équipe de France et représenter la France au championnat d'Europe ou au championnat du monde. 3,93 pour Lierre Gélédan qui prend la deuxième place devant Inigo et Axel. Ouais, toujours 4,21, c'est pas grand chose. Hein. 4,21, c'est vraiment pas grand chose. Il en a les capacités, il nous l'a montré. Et regarde, il va aller peut-être chercher cette petite gauche. Et là, on voit une tentative d'air de la part de. Voilà, premier turn pour l'hier. Un replacement. Un deuxième. Est-ce qu'il va avoir de quoi faire un re-entry pour terminer ? Oui, et il tombe malheureusement. Ce petit à-coup avec le pied arrière était peut-être pas judicieux. Ah, là, si le re-entry passait, pour moi, le score, il allait le chercher. Hein. Le 4-21, il pouvait l'avoir. Et voilà, l'attentive d'air d'Axel Dominguez. Elle reverse malheureusement au moment du décollage, les deux pieds. Ouais, on voit le au début, hein, le pied avant qui commence à partir. Et le pied arrière derrière, après le pied arrière aussi. Suivi sur le rail. 5 minutes et 20 secondes. J'ai l'impression que Jay est seul au pic. Il a la possibilité d'aller choisir la meilleure vague. Et son surf backside est assez impressionnant. Regardez bien. Un premier turn. Un peu poussif. Là, tranquillement, il vient se replacer. Et avec la Mariotte, les vagues ont moins de potentiel. Moins de creux. C'est un peu plus mou. Ça demande au surfeur d'être beaucoup plus fin sur les appuis, beaucoup plus en glisse. Plus d'eau dans la vague, houle qui baisse un peu sur cette fin de journée aussi. On avait le pic de houle dans la journée. Allez, on attend patiemment les différentes notes qui devraient tomber pour la vague de Lierre Gélédan. Celle de Jay Phipps. Inigo Madina a obtenu 4,23 sur sa dernière vague. Ça le replace un petit peu dans la course puisqu'il a besoin maintenant de 5,04 pour monter sur la plus haute marche du podium. C'est vraiment très 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 serré pour Lierre, Inigo et Jay. Puisque Lierre et Inigo ont besoin que de vagues aux alentours de la moyenne, alors que Axel, lui, par contre, a quand même besoin d'aller chercher 14, un 6,14. Ouais. Voilà pourquoi il a tenté cette reverse. C'est souvent une arme que se gardent la plupart des surfeurs pour aller chercher un score rapidement au-dessus de 6 points. Allez, ça part pour Inigo Madina. Gros bottom, gros carve dans la poche, enchaîné avec un magnifique roller blow tail. Là, ça va payer. Ça. C'est une très bonne vague. De manœuvres enchaînées, bon, moi, du lien, de la puissance. C'est la meilleure vague la meilleure vague de la série. De la série, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Je préfère celle-ci au 6,33 de la vague backside, là, en le début plan, de série de l'hier. Le plan drone était très joli à voir. On a vu ce carve très appuyé jusqu'en bas. En suivant, il reprend un appui pour le bottom. Et il vient taper très fort la lèvre. Il fait passer les dérives tout en contrôle. Ah ouais.
Avec encore une fois un Sévac à 3 minutes de la fin, il risque de mettre un bon coup de massue sur la tête de ses adversaires. Et on voit, il y a des jolies vagues, ça s'est cliné un petit peu, le plan d'eau est moins agité, le vent est tombé. Et ça part pour Lierre, j'ai les dents sur cette droite. Ouais, premier collé. Malheureusement. La pression qui arrive, je pense. Et là, j'ai très gros roller. Aïe, malheureusement, et il voilà. Tombe. Tu l'as entendu ? 9 points, la dernière vague et du oui, rouge. Ça vient d'être annoncé par Vincent Lecorneau, le speaker plage. 9 points, ça va apparaître à votre écran. Et forcément, regardez, c'était très bien fait. Un premier carve très appuyé. Et en suivant, il vient taper fort le lip, tout en contrôle. Et ce petit flotteur roller foam claim à la fin. Petit coucou au drone. 9 points de suite. C'est plus qu'un coup de massue qui vient de leur donner. Ouais, là, parce que là, ça commence à être compliqué. 80 pour Jeff Phillips, 8-18 pour Lier et combo à 14 points, quasiment 15 pour Axel. Vague dans l'excellence. Voilà ce que veulent voir les juges. Exactement. Manœuvre de qualité. Dans la partie critique, diversité de manœuvre, du contrôle, de la vitesse, de la puissance. Tout y était. Tout y était. Une minute et 30 secondes. Et pour le moment, pas de série en vue, pas de vague majeure qui arrive. Pour Inigo, qui est au large, à gauche de votre écran, qui lève les bras. J'ose même pas imaginer ce que ça doit faire au moral pour les autres surfeurs quand ils entendent que le compétiteur a pris un 9 points. Mais des fois, certains aiment bien les faire répéter justement pour faire répéter le speaker pour en mettre un peu plus la pression encore aux autres. Et ça part pour Axel. À moins d'une minute de la fin de cette série, il va aller jusqu'au bout, chercher une bonne vague et obtenir un point pour essayer de se sortir de cette quatrième place. Ouais, ça va être sa meilleure, hein, que sur les deux premiers là, ça va être sa meilleure pour lui aussi. Enchaînement de trois manœuvres, bien exécuté. Deux manœuvres frappées au tout début, enchaînées par deux manœuvres sur le rail et un joli re-entry. Ouais, c'est une vague, c'est également bonne vague. Ouais, bonne à très bonne, je pense. Même. Qui peut monter sans doute au-dessus de 7 points. Ça peut passer au-dessus du 6-33 de l'hier. Et peut-être malheureusement relégué. Attention, Vierge les dents. Inigo. Ça part, c'est fort, c'est puissant. Et encore un quart. Ce jeune surfeur endaillé est très très puissant. C'est impressionnant. Lier aussi, qui est parti derrière. Lier Gélédan, qui était champion Nouvelle-Aquitaine 2022 dans la catégorie minime l'an dernier, qui se retrouve en finale cette année dans cette catégorie cadet pour sa première participation dans cette catégorie. Ouais, il va falloir compter sur lui. Hein. C'est pas toujours évident quand on est sur sa première année dans les catégories. Réussir à monter, à aller en finale face à certains qui ont déjà un an de plus, plus d'expérience, plus de puissance. Et il a montré quand même de la maturité, hein, pour cette première année. Ouais, je pense que voilà, derrière... On était dans les très bonnes, mais voilà, Axel, 8 points. Très bonne vague également, ouais, début de l'excellence. Début d'excellence. Et il vient ravir la place de vice-champion carrément à Jay Phipps. Inigo Madina, Axel Dominguez, les deux pensionnaires de l'équipe de France 2022 qui se hissent sur les deux plus hautes marches du podium. En tout cas, bravo à ces quatre surfeurs. Nous avons fait un beau spectacle tout au long de la compétition. Non, mais comme on dit, hein, dans le sport, rien n'est joué. On peut aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, peut-être gagner, gravir des places. On le voit dans le surf, on le voit dans tous les sports. C'est ça qui est intéressant, c'est ça que j'aime bien. Et là, ils nous ont montré du très, très beau spectacle. Et on voit justement Thomas Mahalem, l'entraîneur de l'Oslo Surf Club, entraîneur d'Axel Dominguez actuellement, qui a passé la journée posé derrière sa caméra parce qu'il en avait un paquet de surfeurs en course, en lice. Il y en avait plusieurs, il en a eu dans les mêmes séries aussi. Oui, c'est oui, pas oui. Évident, ça, hein, de donner des options, coacher un rider, puis un autre. Mais c'est ce qui vient de se passer pour justement Thomas dans cette finale et pour Eric Termo, puisque exact. Deux pensionnaires de l'Andai Bidasso Surf Club et deux pensionnaires de l'Oslo Surf Club. Je pense que Camille va rejoindre le vainqueur, Inigo Madina, de cette finale pour un interview. Après coup,
Alors qu'on voit les compétiteurs qui s'avancent les uns vers les autres pour se féliciter. Avec notre photographe Arthur Picard qui nous a fait des super images tout au long de ces premières journées. Et on voit déjà à notre écran, on aperçoit la première série de demain. Pour rappel, on aura les catégories surf minime et surf ondine minime demain. Martin Pinson, Zach Boisselier, Lucas Harvey, Maël Soul sera la première série de la journée. Il y aura deux Charentais. Et il y aura à nouveau le live sur Facebook, YouTube ou Instagram pour les phases finales, demi-finales et finales, à peu près à la même heure puisque nous sommes sur le même temps de compétition. Quatrième journée de ces championnats et dernière journée de live. On n'aura pas de live par contre vendredi. Pour le longboard et les Benjamins, non, hélas, nous ne pourrons pas avoir l'équipe de CBL Productions avec nous. Équipe qui nous suit depuis 5 ans maintenant sur tous nos championnats, qu'ils soient Espoir ou Open. Ouais, ils nous font un super travail. Hein. On en parlait avec eux, ça nous intéressait hier d'essayer d'avoir un live sur des vagues magnifiques telles que la Gravière ou autre, où il pourrait y avoir des tubes et des exploits incroyables de la part des surfeurs. Mais quand je vois des journées comme ça, de toute manière, je trouve qu'il n'y a pas démérité. On voit de très bonnes vagues surfer. Même si les vagues ne sont pas parfaites, les surfeurs nous montrent toutes leurs techniques et ça reste toujours très intéressant à regarder. Et CBL est toujours bien placé entre les cadreurs sur la plage, Antoine au drone. Ça nous fait des super images. Et pour celles et ceux qui veulent revoir aussi un petit peu les différentes journées, vous voyez justement à l'écran Arthur Picard, photographe, vidéaste qui travaille pour la Ligue en tant qu'indépendant et qui vous permet d'aller revoir un petit peu toutes les photos de chaque journée. Et on les met sur les albums Facebook, sur Instagram. Il fait également un mix des différentes vidéos pour un petit clip et un petit reels et un petit replay. Reels. Très très bon travail aussi d'Arthur. Waterman Aguirre. On peut nous retrouver aussi, je crois, sur TikTok. Maintenant, on peut nous retrouver sur TikTok. Je n'y suis pas personnellement, mais on peut nous retrouver sur TikTok. On peut nous retrouver dessus. Surfing Aquitaine, c'est le nom que nous utilisons sur quasiment tous nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. Là, vous avez eu le live en direct. Mais si vous voulez vous faire plaisir, aller voir de belles images, de belles photos, de belles vidéos, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux. Bon gabarit, hein, Inigo, hein, pour un cadet. Inigo est très costaud depuis très longtemps. C'est un jeune qui est très puissant. Mais quand je vois que l'IR a un an de moins que Inigo et qu'il fait à peu près la même taille. C'est ça, un peu plus fin pour l'instant. Mais alors, je ne sais pas ce qu'ils font à Hendaye. Avec le passage dans les mains de notre préparateur physique, Malou. Ça risque de le développer pour l'année prochaine. Totalement, totalement. En tout cas, un grand merci à tous de nous avoir regardés. Nous devrions dans pas longtemps avoir l'interview avec Camille Morvan et le champion Nouvelle-Aquitaine 2023, qui est Inigo Medina. La photo du coach. Il va féliciter évidemment ses deux compétiteurs. Mais en même temps, connaissant Eric, il est en train de lui dire « Attention, là, tu as peut-être fait une petite erreur, tu aurais peut-être pas dû faire ça. » Mais il sait aussi les encourager, leur dire bravo. Entraîneur depuis tellement longtemps sur le Pays Basque. Sur la SP aussi à l'époque. Et voilà, justement, derrière, en parlant de juge, c'est Bruno Truche qui était le chef juge de la journée. Et qui reviendra demain. Juge nationaux et juge sur l'ISA. Il était à Tokyo pour les JO. Il était le juge français aux JO 2020. On espère qu'il y aura de nouveau un juge français en 2024 à Tahiti. J'espère, il n'y a pas de raison. Nous avons trois juges sur l'ISA, avec en la personne de Bruno Truche, de Geoffrey Mallet et de Thierry Vidal. Ils font partie des meilleurs juges internationaux actuellement. Tout à fait. Donc on croise les doigts pour que l'un d'entre eux puisse obtenir ce fameux ticket et aller juger les Jeux Olympiques 2024 en surf à Tahiti sur la magnifique vague de Tiopo. Sacrée expérience. Ça donne envie, ouais. Et voilà, le débrief, toujours ce fameux débrief à la sortie de l'eau, à chaud, par les entraîneurs. Qui explique ce qui a été bien fait, mais aussi ce qui a été mal fait, pourquoi peut-être
on perd un demi-point par là, ou on tombe à tel endroit sur une très bonne manœuvre, par exemple pour Jay Phipps sur ce roller backside qui aurait pu lui permettre d'aller chercher des points suffisants pour rester à la deuxième place, voire peut-être atteindre la première place. Et Camille a retrouvé Inigo, on se regrouper, se rapprocher de la tente du Beach Marshall. Donc c'est on parti. Se retrouve pour la dernière finale de la journée avec Inigo, avec qui on a fait la petite interview aussi tout à l'heure. Donc champion Nouvelle-Aquitaine, Espoir 2023. T'es ressenti là à chaud? Je suis super content de gagner cette compète. J'ai réussi à trouver... Ouais. Même... Très belle vague, effectivement. On a de belles vidéos. Donc, tu pourras regarder ça en replay ce soir tranquillement. Les objectifs là pour la suite de la saison? Mon plus gros objectif, moi, c'est les IESA 2023. IESA 2023. Hein. Ah, c'est les IESA 2023 en novembre. Là. Okay. Voilà, je vais essayer de faire une grosse perf et c'est mon plus gros objectif de cette année. Très gros objectif, effectivement. On te souhaite un bon surf pour tout l'été et puis de remplir tous tes objectifs. Et puis merci, encore félicitations. On se retrouve sur le podium du coup. Allez, à de suite. Merci beaucoup Camille. Merci à vous tous de nous avoir regardés encore une fois sur ce live en régie. C'était CBL Prod. À côté de moi, Damien Favot, directeur de la compétition. On se retrouve demain aux alentours de 15h, 16h. Pour les demi-finales et les finales de ces fameuses catégories surf minime et ondine minime. Merci à tous nos partenaires. Bonne fin de journée et à très bientôt. Merci pour tout, Guillaume. Un grand plaisir.